أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vais revenir avec vous sur un petit passage de la sourate Al-Hadid que je vais vous lire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa biyamanihim. Bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dhalika huwa al-fawzul 'azim. Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lilladhina amanu undhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran. Fadhuriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fiha ar-rahmatu wa dhahiruhu min qibali al-'adhab. Yunadunahum alam nakum ma'akum. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Donc dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jour de la résurrection. Il nous dit: le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Donc deux remarques sur ce passage. On remarque que dans tout le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne lumière, le mot lumière, il y a 36 versets qui parlent de lumière et à chaque fois il y a adosse le terme croyant. Jamais un autre terme, jamais musulman, c'est toujours croyant. De même, lorsque dans un hadith, le prophète nous parle de la lumière d'Allah, il y adosse le terme croyant, jamais le terme musulman. Ceci étant dit, on remarque que ici, la lumière est une position, c'est-à-dire qu'elle est visible. La lumière courant devant eux et à leur droite. Donc, c'est une lumière qui a une position qui est visible. Et c'est le jour de la résurrection. Et à ce moment-là, ces croyants-là, on leur dira: voici une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pourraient demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Donc, voilà leur récompense promise par leur Seigneur. Le verset juste après, Allah parle des de l'opposé du croyant, c'est-à-dire les hypocrites. Il nous dit: le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient: attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, ce qui signifie qu'ils sont dans l'obscurité. Ils n'ont pas de lumière pour avancer. Ils sont le jour de la résurrection et ils n'ont pas de lumière. Ils demandent aux croyants qui sont plus loin, ils leur demandent: attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui leur sera dit? Leur sera dit: revenez en arrière et cherchez la lumière. Il faut bien comprendre que nous sommes le jour de la résurrection. On ne peut pas revenir en arrière le jour de la résurrection. Le temps n'est pas valable. On ne revient pas en arrière. Cela signifie revenez en arrière. Ça veut dire revenez dans la dunya. Revenez en arrière dans la dunya et cherchez votre lumière. C'est là-bas que vous devez la chercher. Ici, c'est trop tard. Les comptes sont faits. Les comptes sont arrêtés. On ne peut plus revenir en arrière. Donc voilà, ces hypocrites-là sont dans l'obscurité. Ils n'ont pas de lumière. Et lorsqu'ils demandent aux croyants, on leur dit revenez en arrière. Bien évidemment, c'est impossible. C'est alors qu'on éleva entre eux, on les entourera dans une muraille dont la porte intérieure contient la miséricorde et dont la face apparente est celle du châtiment de l'enfer. Ceux qui sont désignés par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant les hypocrites diront à ceux qui croient: n'étions-nous pas avec vous? Cette phrase est extrêmement importante. N'étions-nous pas avec vous? Nous prions avec vous, nous jeûnions avec vous, nous mangeons, nous rigolions ensemble, nous partions en vacances ensemble. N'étions-nous pas avec vous? Et il leur sera répondu: oui, certes, nous étions ensemble, mais vous vous êtes laissé tenter. Vous avez comploté lorsque nous vous avons appelé à la lumière d'Allah. Vous avez comploté et vous avez douté. Vous avez douté de sa véracité. Vous avez douté que la lumière dont on vous parle est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous voyons dans le décret, que nous voyons dans nos prières, que nous voyons dans notre lecture du Coran. Vous avez douté de cela. Vous avez voulu l'associer au shaitan. Vous avez voulu l'associer à des choses viles, alors que c'est la lumière d'Allah la plus élevée possible. Rien de plus élevé que la lumière d'Allah. Donc vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé. Ces vains espoirs sont les vains espoirs issus de votre nefs, les vains espoirs issus de la dunya qui vous ont trompé. Vous n'avez pas voulu vous engager dans la lumière d'Allah, à la recherche de la lumière d'Allah, car votre nefs vous a trompé, ainsi que le séducteur, le diable, qui vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, est-elle finie ce passage? Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui sont mécrus, car vous êtes ensemble. Votre asile est le feu, et c'est lui qui sera votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination! Donc, pour corroborer ces versets du Coran, j'ai avec moi deux livres qui sont des livres incontournables que chacun doit avoir dans sa bibliothèque, qui est Le Secret des Secrets, Sir al-Asrar de Abd al-Qadir Jilani, Min Qad Min Abdallah, La Délivrance de l'Erreur de Imam al-Ghazali. Et je vais juste corroborer ce que je viens de dire avec des extraits de ces deux livres. Donc nous allons commencer par Imam al-Ghazali, La délivrance de l'erreur. Il nous dit qu'à la suite d'un passage à vide qu'il a eu spirituel, il explique que, je cite, « Ma guérison n'est pas le résultat de l'arrangement convenable d'une démonstration ou de l'ordre systématique établi à un discours, mais elle est due à la lumière que Dieu projeta dans mon cœur, lumière qui renferme la clé de la plupart des connaissances. » Exactement ce que nous disons. Dans cette lumière-là, il y a toutes les connaissances possibles, puisqu'il y a tout dans cette lumière-là, tout est contenu dedans. Celui qui considère que la découverte de la vérité repose sur des arguments bien définis limite l'amplitude de la miséricorde divine. Par la suite, l'imam al-Ghazali cite deux hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Le premier, lorsque l'envoyé d'Allah alayhi salatu wasalam fut interrogé sur l'ouverture de la poitrine, il répondit: c'est une lumière que Dieu projeta dans le cœur. Dans un second, le prophète alayhi salatu wasalam dit: Dieu a créé les hommes dans les ténèbres, il les aspergea ensuite de cette lumière. L'imam al-Ghazali conclut en disant: c'est à cette lumière-là que l'on doit demander le dévoilement de la vérité. Elle jaillit de la générosité divine en certaines circonstances. Il faut l'attendre en se tenant à l'affût
Conformément à ces paroles du prophète, de votre Seigneur émanent des flux de grâce au cours de certains jours de votre existence. Exposez-vous donc à eux. Donc, l'imam Razi nous explique bien qu'il faut lui demander le dévoilement de la vérité à cette lumière-là. Donc, je reprends avec le livre Le secret des secrets de Abd al-Qadir Jilani qui nous explique que le cœur a deux yeux, l'un mineur, l'autre majeur. En ce qui concerne l'œil majeur, il ne voit que ce qui est rendu visible par la lumière de l'unité et de l'identité, la lumière d'Allah. J'avance un peu plus loin. Il nous explique en fait dans ce passage qu'est-ce que cette lumière-là. Et à la fin, il nous dit, si l'un de vous atteint cette lumière, ce qui signifie que tout le monde ne l'atteint pas, si l'un de vous atteint cette lumière qui est suggérée dans ce livre, essayez alors de faire le bilan du compte de vos actions. C'est sous cette lumière que vous pourrez voir ce que vous avez fait et ce que vous faites. Tenez votre comptabilité et faites le bilan. Le livre des comptes, vous devrez le lire devant votre Seigneur le jour du jugement, c'est irrévocable. Donc cette lumière-là, on voit à quel point elle est importante, mais comment l'atteindre? Et ici, c'est encore Abd al-Qadir Jilani qui nous l'explique dans son livre. Il nous dit, pour atteindre cet état de vision de la lumière, pour nettoyer et faire briller ce cœur, on a besoin d'un maître qui soit mûr, qui soit en union avec Allah, qui soit estimé de tous dans le passé et dans le présent. Ce précepteur doit avoir atteint un niveau proche d'Allah et avoir été renvoyé dans ce royaume inférieur par Allah afin d'aider à aller vers la perfection ceux qui en valent la peine, mais qui manquent de tout. Dans leur descente, pour accomplir cette tâche, de tels saints hommes d'Allah doivent voyager le long du chemin du prophète alayhi salatu wassalam, et suivre son exemple. Même si leur fonction est différente de celle du prophète. Alors que les prophètes sont envoyés pour le salut des gens ordinaires aussi bien que des purs croyants, ces maîtres ne sont pas envoyés pour enseigner à tout le monde, mais seulement à un nombre réduit. C'est Abd al-Qadir Jilani qui le dit. Alors que les prophètes ont une liberté totale pour assumer leurs devoirs, ces saints précepteurs ne sont pas indépendants, mais doivent suivre le chemin de l'exemple du prophète. Donc Abd al-Qadir Jilani continue. Ces saints précepteurs ont une intimité qui ressemble à celle du prophète avec son Seigneur. Sur eux sont répandues la même confiance, la même protection de la connaissance divine. Ils sont porteurs d'une part de la prophétie et leur être intérieur est en sécurité sous la protection du prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mesurer l'importance de cette lumière-là et mesurer pourquoi nous-mêmes nous lui accordons autant d'importance et que des hommes avant même les Karkari parlaient déjà de vision de la lumière, de maître spirituel, de guide, etc. etc. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.